aujourd'hui là. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, j'ai supporté beaucoup de vos injures. J'ai supporté tout ce que les gens ont dit de moi. Tout ce que les gens pouvaient faire là. J'ai tout supporté sur moi. Je me suis battu pour arriver aujourd'hui au stade où je suis là. C'est parce que j'ai cru en ce que je pouvais faire. J'ai tout donné pour arriver là. Lorsque beaucoup de personnes ne croyaient pas, moi je me battais matin, midi, soir. Pour pouvoir devenir aujourd'hui l'homme que je dois devenir, je me suis battu. J'ai donné le meilleur de moi. Je n'ai jamais de ma vie craqué pour quoi que ce soit. Pour tous ceux qui me connaissent là, je n'ai jamais de ma vie craqué pour quoi que ce soit. Je n'ai jamais de ma vie là. Vous avez tout dit, ils ont insulté ma maman, ils ont insulté mon papa. Ils m'ont insulté. Je prends mon temps. Je donne tout ce que je peux donner sur moi là. Pour pouvoir sortir au moins la tête de l'eau, au moins, pour pouvoir essayer de montrer comment quelqu'un peut quitter de zéro pour pouvoir se battre pour arriver ou là où la personne doit pouvoir arriver. Vos injures là, ça ne m'a jamais rien fait. Parce que je me suis déjà mis dans ma tête que quand je viens sur Internet là, c'est que tout ce que je vais faire là, tout ce que je vais dire, forcément les gens trouveront que il y a quelque chose forcément qui n'est pas bien. Quand tu viens sur Facebook là, quand tu viens sur Facebook, tu viens avec beaucoup de choses dans la tête. Je prends mon temps, je prends mon argent, je prends tout ce que j'ai. J'organise un événement, je vous appelle. Il y a d'autres mecs qui partagent, il y a d'autres qui ne partagent pas. Je ne me plains pas. Moi-même, je suis au devant des choses. Je m'avais vendu mes tickets. Je croise les gens. Les gens achètent tickets 5 euros. Je prends le taxi de chez moi à la maison. Je m'en vais les croiser. Il y a d'autres qui sont à des kilomètres de moi. Vous pouvez me reprocher quelque chose. Mais venez attaquer mon événement. Vous quittez sur le chemin que vous-même vous avez choisi. C'est comme si c'est moi-même, je suis devenu votre cible. C'est comme si c'est moi-même là. Que je suis devenu votre cible. Quelqu'un que vous allez attaquer. Je ne vous ai rien fait de mal. Je ne vous ai rien fait de mal. Je suis un influenceur, je ne suis pas Dieu. Chacun de nous parle des sujets. Chacun de nous apporte son point de vue sur chaque sujet qui se passe sur la toile. Chacun de nous essaye de donner, c'est-à-dire, essaye de donner sa voix. Mais si je parle d'un sujet, et que ce sujet-là, ça devient autre chose, mais vous ne sortez pas de vos contextes pour venir attaquer ce pourquoi je me lève matin, midi, soir pour me battre. Vous venez attaquer ça. Moi, je ne demande à personne de m'aimer. Hein, parce que vous ne pouvez pas m'aimer. Mais retenez qu'aujourd'hui, au stade où je suis arrivé, là, c'est parce que j'ai bataillé. C'est parce que moi, là, j'ai bataillé jour et nuit pour arriver aujourd'hui au stade où je suis. Là. Je n'ai jamais abandonné. Il est aujourd'hui près de 7h, 8h. Je suis assis moi seul dehors ici. Parce que je n'ai même pas dormi. Tout à l'heure, là, je viens de parler le grand frère Loge qui m'appelait à 7h du matin pour me demander comment est-ce que tu vas. J'ai dit pour la première fois de ma vie, là, mon moral est zéro. Pour la première fois de ma vie. J'ai lancé les Oscars des blogueurs et influenceurs. Je vous appelais, vous tous. Même celui avec qui j'étais en conflit, je vous appelais, vous tous. Je vous ai dit, voici notre événement. Venez ensemble avant l'organiser parce que c'est pour nous tous. C'est notre image. Mais vous prenez l'histoire. Comme si c'est moi-même qui suis l'auteur de tout ce qui a été fait. Comme si c'est moi-même là qui ai commis l'acte. Vous ne parlez même plus même de ce qui peut concerner la fille. Mais c'est moi qui suis devenu aujourd'hui vos sujets. Boycottez mon événement.
venez vous asseoir et me montrer comme celui qui n'est pas bon, celui qui est le plus mauvais, celui qui n'est pas un exemple. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Je vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait de mal. Vous avez pris des sujets ici que vous avez débat, que là vous avez débattu. Vous avez pris des sujets, vous avez parlé. Chacun de nous parle. Mais à chaque fois que moi je vais sortir, que je vais donner mon point de vue là, vous allez vous lever. Mais vous pouvez, je me dis que ça peut être forcément les histoires des réseaux sociaux. Être en contradiction avec certains ou certaines choses, ça peut arriver. Vous n'allez pas venir jusqu'à à venir saboter mon événement, saboter les Oscars des blogueurs. C'est de la méchanceté, la famille. C'est de la méchanceté. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un Dieu sur terre. Je commets des erreurs. Je commets des erreurs. Et lorsque je commets mes erreurs là, je reconnais toujours mes erreurs et je demande pardon et puis j'avance. J'ai comme l'impression que vous avez un problème personnel même avec moi. Pas comme si vous avez un problème personnel avec moi. J'ai commencé mes vidéos ici devant tout le monde. J'ai commencé mes vidéos. Vous étiez tous témoins quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur Internet. Vous avez tous été là. Chacun de vous là a vu mes débuts ici. Comment est-ce que j'ai commencé? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Mais j'ai gardé la tête haute. Sur la tête de mes trois enfants, jamais de ma vie, quelque chose m'a autant touché. Les injures, les moqueries, les comme quoi, ah Poutou est ceci, ah Poutou est cela, ah Poutou est comme cela, ah Poutou est devenu comme cela, ah Poutou est cela, ah Poutou est cela, ça ne m'a jamais, au grand jamais, touché de toute ma vie. Ça ne m'a jamais touché autant, toute ma vie. Je ne vais pas me lever. Est-ce que notre divergence d'opinion là, ça a quoi à voir avec notre travail que nous avons choisi de faire? Notre divergence d'opinion, si c'est un point qui se passe sur la toile là, et que nous donnons nos points de vue là, ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir avec le travail que nous avons décidé de faire? Tu ne veux pas venir à mon événement? Tu n'es pas obligé de parler de ça publiquement. Parce que quand j'ai organisé les Oscars, là, je n'ai pas appelé les gens publiquement. Je vous appelais vous tous en privé. J'ai cherché le numéro de tout un chacun et j'ai appelé tout un chacun. Pour vous dire, voici l'idée que j'ai eue. J'ai besoin de votre soutien. Mettons-nous ensemble pour pouvoir avancer. Mettons-nous ensemble dans le but de montrer une autre image de tous les blogueurs africains. Nous pouvons faire quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est devenu un acharnement. Vous vous levez, vous faites des vidéos ici. Vous vous levez, vous faites des vidéos ici. Vous vous levez, vous faites des vidéos ici. Vous avez laissé ce pourquoi vous prétendez venir défendre. Aujourd'hui, là, ce n'est plus l'histoire de la petite, mais c'est l'histoire d'Apoutou National. Venez me suiter là, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Mais pourquoi forcément venir vous en prendre et saboter mon événement de manière subtile en disant aux gens de ne pas venir? C'est quand même de la méchanceté. La famille,
Je suis arrivé en France ici le 22 novembre 2018. Ça fait 2 ans. Le 22 novembre 2021, là, ça fera 3 ans que je suis en France. Pour 3 ans en Europe, là, pour arriver aujourd'hui au stade où je suis là, 3 ans de vie en France, là, il faut être un guerrier, il faut être un battant. J'ai bataillé. Les gens insultaient ma maman ici matin, midi, soir. À cause de ce que je pouvais faire sur Internet. En insultant ma maman ici matin, midi, soir. Mais je continuais toujours de garder la tête haute. Parce que je me disais que même celui qui viendra parler de Dieu sur Internet là, les gens vont insulter sa famille. Même celui qui vient parler de Dieu, les gens vont insulter sa famille. Ici, là, je n'ai personne à part Dieu. Hein. Quand je quittais l'Afrique pour venir en France, là, je ne savais même pas chez qui j'allais dormir. C'est à la veille de mon arrivée en France là qu'on a trouvé la personne chez qui j'allais dormir. Je suis arrivé en France. Comme toute personne qui arrive en France pour la première fois, là, j'ai été accueilli par quelqu'un. La personne m'a montré un peu les rouages de la France. J'ai travaillé 2 mois et puis j'ai pris studio ici en France. Parce que je savais déjà ce pourquoi je venais en France. Je n'étais pas venu en France dans le but de m'asseoir et de regarder la tour Eiffel ou de regarder la beauté de la France. Mais je suis venu en France dans le but de me battre. La famille, j'aimerais juste vous dire encore une fois de plus là. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Si moi, à Poutou National, je fais ou dis, moi je vous demande pardon. Aujourd'hui n'est pas la question de savoir qui viendra à mon événement parce que j'ai déjà vendu plus de 250 tickets. C'est 300 tickets que je dois vendre dans les normes. Mais ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est de voir les gens s'en prendre, de quitter dans un contexte, de donner nos points de vue et de s'en prendre à un événement que quelqu'un organise. C'est ce qui me fait le plus mal aujourd'hui. Sinon, la méchanceté de l'être humain, là, moi, je connais ça déjà. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire comment l'être humain est. Parce que je connais déjà la méchanceté de l'être humain. La méchanceté de certaines personnes, je connais ça déjà. Mais je confie que ma vie à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître suprême. C'est Dieu qui décide d'élever qui il a envie d'élever. Quand je fléchis genoux, chaque soir, quand je dors là, je ne peux que rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Nous sommes des milliers de personnes à faire des vidéos sur Internet en longueur de journée. Nous sommes des milliers de personnes. Mais si Dieu a décidé de me lever, ne serait-ce qu'un petit peu, me montrer un peu au soleil là, ce n'est pas parce que je le mérite que les autres aient. C'est parce que c'est lui qui en a décidé. Je ne suis plus au stade de venir m'asseoir pour rentrer dans des conflits, dans des clashs, dans des insultes, dans les dénigrements de qui que ce soit. Ça là, ça ne fait plus partie de ma philosophie. Ça ne fait plus partie de mes objectifs. Au stade où je suis arrivé là, quel que soit ce que les gens diront, c'est-à-dire qui me concerne moi là,
Ça ne peut en aucun cas me toucher. Mais chercher ensemble à pouvoir sortir la tête de l'eau et puis voir certaines personnes venir te tirer encore dans le bas, c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait le plus mal. Sinon, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit d'Aputu National? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Ils m'ont ramassé. Ramassé ma famille. Ramassé mes enfants. Ramassé tout ce qu'on peut ramasser. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit qui va, moi, me faire mal? Moi, rien ne m'atteint. Normalement, rien ne m'atteint. J'ai toujours été fort. J'ai toujours été fort. À côté de détermination, de persévérance, là, vous verrez toujours ma photo à côté. Parce que je suis quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui donne le meilleur de lui dans tout ce qu'il fait. Quelqu'un qui essaye de sortir la tête de l'eau matin, midi, soir. Je ne cherche pas à être un exemple. Parce que personne même ne peut être un exemple vis-à-vis de la société. Mais je cherche à marquer mon temps. Je cherche à apporter quelque chose pour que les gens disent, voici ce que lui-là, il a apporté à la société. Le meilleur, là, ça ne sera pas moi, parce que je ne cherche pas à être le meilleur. Je ne cherche pas à être leader. Mais je cherche à marquer ma génération sur le côté positif. Depuis que j'ai commencé l'histoire d'Oscar, là, il y a certaines personnes qui ont partagé. Il y a d'autres qui n'ont pas partagé. Mais je ne suis même pas rentré en contact avec eux pour dire que, ah, pourquoi est-ce que depuis Oscar a commencé là, tu n'as même pas encore partagé la fiche. Tu n'as même pas encore parlé, même ne serait-ce qu'un petit mot sur les Oscars. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi-même, je suis un battant. Moi-même là, je suis un battant. Moi-même là, je suis un vrai battant. Mais si c'était pas un battant là, je n'allais pas être là. La famille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout et chacun. Dieu connaît le cœur de tout et chacun. C'est pourquoi Dieu élève. Et je dirais ici quelque chose. Dieu ne te donnera jamais ce qui ne t'appartient pas. Si Dieu décide de te donner quelque chose là, c'est parce que cette chose-là t'appartient. Dieu n'élève pas qui envie, mais Dieu l'élève. Qui lui l'envie. C'est-à-dire, pour que Dieu te mette à la lumière là, ce n'est pas le plus fort que Dieu mette à la lumière. Mais c'est ceux à qui Dieu en a décidé de faire grâce. Nous avons tous la grâce du Seigneur, mais nous n'avons pas tous la même grâce du Seigneur. Et nous devons retenir cela. Retenez une seule chose. Je vous aime. Et je continuerai de vous aimer. Je suis votre fils. Vous vous plaignez d'enlever ma bouche. J'enlève ma bouche. Vous vous plaignez de pourquoi est-ce que j'enlève ma bouche. C'est pas grave. L'avenir nous dira la suite. Je demande ici à la famille de Fabi, aux parents, que ce soit la mère, que ce soit les oncles, que ce soit même le père qui est décédé, je vous demande pardon. J'ai bien voulu bien faire. Mais moi-même là, en voulant bien faire là,
vers la fin, j'ai voulu trop bien faire. Et aujourd'hui, là, nous sommes arrivés au stade aujourd'hui où nous sommes. Le combat de Fabi, là, ce n'est pas sur Internet. C'est côté de la justice. Le combat de la petite, là, ce n'est pas de ce que donne chacun son point de vue sur Internet qui va changer l'histoire de la petite. Mais le combat de Fabi, c'est à la justice que ça va se passer. Que Dieu vous donne la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Que Dieu mette à nu tous ceux qui ont gâché et qui ont pris la dignité de cette petite-là. Le panissement de cette petite-là. Si par mes propos, j'ai dit, et je le répète encore, ou j'ai fait quelque chose qui n'est pas allé dans vous, vos sens, je vous demande pardon, je vous demande Yaki. Mais aujourd'hui, là, j'ai connu l'être humain. Aujourd'hui, là, j'ai connu l'être humain. Je sais aujourd'hui de quoi l'être humain est capable. Je sais aujourd'hui, là, quelle est la mentalité de l'être humain. Désormais, là, je saurai comment marcher. À qui je dois parler. À qui je ne dois pas parler. À qui je dois me confier. À qui je ne dois pas confier. Parce que l'être humain attend de serait-ce qu'une petite heure. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai compris que les gens m'attendaient au tournant. Mais ils n'osaient pas dire pourquoi est-ce qu'ils m'attendaient au tournant. Mais il a fallu qu'ils aient une petite raison de venir me donner pour qu'on puisse me brûler. Ils ont saisi cette occasion-là. Mais Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Je le répète encore, parce que c'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui met les gens en haut. À tous mes abonnés qui ont fait de moi l'homme que je suis, je vous demande pardon. Si vous êtes senti peut-être, ou que vous avez pensé que l'Apôtre National était à gauche, pourtant il devait se tenir à droite, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce dossier-là a été fort pour moi. Mais ceux qui peuvent prendre ce dossier-là, qui ne commettent pas d'erreur dans leur vie, parce qu'ils sont Dieu vivant sur la terre, qui continuent de prendre ce dossier-là. Moi, je demande pardon. Et puis, j'avance. Je demande pardon. Et puis, j'avance. Continuez le combat de la petite. Là où ma voiture pouvait s'arrêter là, ma voiture s'est arrêtée là-bas. Ce que la voiture peut continuer le combat là, qu'il continue avec tout mon soutien. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous très bientôt dans le futur. Car c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Dieu ne m'a jamais laissé tomber et ne me laissera jamais tomber. Parce que arrivé aujourd'hui où je suis là, c'est Dieu qui en a fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. On a très bientôt.